Matt Pokora n'est pas prêt de revenir en France. À Louange, les gens ne sont pas envieux. Depuis plus d'un an, M. Pokora vit à Louange, est à Uni, avec sa chérie, la belle Christina Milian. Comblé par sa nouvelle vie loin de l'Hexagone, le chanteur se livre sur les différences entre les modes de vie des deux pays. Voilà déjà un an et demi que le chanteur chouchou des Français, M. Pokora, vit en exil aux États-Unis. En décembre 2017, le beau gosse de 33 ans décidait de mettre en vente sa sublime maison située à Suresnes, au Haut-de-Seine, et quittait la France pour s'installer à Louange. Avec sa chérie la chanteuse Christina Milian pour l'épauler au quotidien dans la ville où résident des centaines de stars, M. Pokora a très vite trouvé ses. Sous le soleil de Californie, le chanteur mène donc une vie plus paisible, même s'il affirme avoir besoin d'être en France pour son équilibre. Dans une interview accordée à nos confrères de Télé 7 jours, le chanteur explique qu'il n'a pas l'intention de faire carrière aux États-Unis mais qu'il adore simplement la mentalité des Américains, les gens ne sont pas envieux. J'ai une jolie voiture, oui, je ne vais pas le cacher, déclare-t-il avant de donner un exemple. Un jour j'allais chez le barbier, un jeune homme d'environ 20 ans m'arrête et me dit, mec, c'est la voiture de mes rêves, je vais me battre pour avoir la même, félicitations à toi. Apostrophe j'aime cet état d'esprit, cette culture de la gagne. En phase avec cet américain way of life, l'interprète de Juste une photo de toi continue d'énumérer ce qu'il aime outre-Atlantique, l'effervescence, le fait que l'ambition ne soit pas vue comme de la prétention, et la réussite comme un défaut. Il n'y a pas de médisance. Même s'il a l'impression d'être en vacances tous les jours, M. Pokora n'est pas resté sans activité bien longtemps. Multipliant les allers-retours entre la France et les États-Unis, le chanteur a eu le temps d'enregistrer son 8e album studio intitulé Pyramide et sorti en mars dernier.